Je vais vous montrer quelques personnes. Voilà. Voilà, ils sont là depuis quelques temps. Je vous les montre. Voilà. Voilà. C'est Nyanzou Anno. Je suis ici à Daoukro devant la devanture de la résidence du président Henri Konan Bédié. Dans quelques heures, je ne puis vous dire exactement quand le président Laurent Gbagbo va arriver ici et il va aller dans la résidence et rencontrer son frère, le président Henri Konan Bédié. Donc voilà, je vous montre un peu. Il y a déjà des personnes, des gens qui affluent vers la résidence. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer quelques personnes. Voilà. Voilà, ils sont là depuis quelques temps. Je vous les montre. Voilà. Toute la rue qui va jusqu'à la place Henri Konan Bédié est couverte de personnes qui viennent attendre l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Voilà, je vais faire des... d'être direct très court, toujours dans un souci d'autonomie d'énergie. Voilà encore des personnes qui sont déjà là, qui sont devant l'accès de la résidence. Je vais peut-être poser une question à quelqu'un qui aimerait bien dire quelque chose. Pourquoi il est là? Nous allons repartir à l'intérieur. Pardon. Voilà, nous sommes revenus à l'intérieur. Je répète la même chose, que je vais couper ma transmission pour faire une économie d'énergie. L'événement en direct, dans la mesure où les sociétés MTN et Orange restent performants en ne trouvant pas d'astuces pour réduire nos débits.
c'est Nianzou Anno. Je vous parle directement de la résidence du président Henri Bédier, ici à Daoko. Au revoir.